Et donc, ben voilà. Donc, tout simplement, et ça veut comme vous voyez. Donc, je venais générer une source infinie ici. Vous voyez hein, là très très long à passer. Et zut, c'est pas très long. Tout simplement parce que j'ai un trou en dessous. Voilà, donc j'ai deux obsidiens, donc j'ai récupéré des cobalt, donc je vais accoucher mes trucs comme que j'ai fait un truc. Et je vais tout simplement donc miner. Voilà, donc dans ce sens-là, comme ça, par mon obsidien. Donc je ne sais toujours pas comment accélérer la vidéo, donc je pense que je vais. Soit je vais essayer de trouver quelque chose à dire. Parce que j'ai pas mal de. Parce qu'on nous a déjà fait pas mal de trucs. Hein. Nous avons vu les crafting de base. Je vous ai rappelé tous les mobs. Comment les exploiter au maximum. Là, les mobs du Nether à voir, il y en a deux. Donc ce sera assez rapide. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc là, je viens de vous montrer comment créer de l'obsidien. Donc la première base, c'est de sur de la lave. Donc de façon à ce que l'eau se répande quand même. Ne jetez pas les sources directement dans la lave. Et donc je viens de vous montrer comment éviter de perdre l'obsidien dans la lave qu'il y a en dessous. Ou vous-même de tomber dans la lave qu'il y a en dessous de l'obsidien. Je voulais un truc, je fais de quoi. Donc je vais évidemment à récupérer une sorte d'eau. Donc l'obsidien, donc il me semble qu'il faut 14 secondes exactement pour le miner au diamant. Donc je ne sais pas, je vais peut-être chronométrer le prochain bloc là. Donc 15 secondes exactement. Enfin, moi j'ai compté 15 secondes à ma montre. Donc vous allez faire. Ah bah c'est un problème par le Nether. Ça tombe très bien. Donc je pense qu'on va aller par le Nether. Tout de suite ou plus tard, je ne sais pas. Allez,
On va se faire les aventures mais les heures tout de suite. Donc soit là il va y avoir une copine, il va y avoir des épisodes, j'en sais rien. Je vais vous dire quoi. Donc quoi, moi j'enchaîne dans tous les cas. Mais voilà. La porte de l'univers. Alors habituellement je l'entends dans la maison. Mais le bruit finalement a fini par me saouler. Donc je vais simplement faire un peu plus loin. Pas loin du spawn en fait. C'est une bonne idée, je pense. Pas loin du spawn. Donc je suis avec ma pioche en diamant encore un gros boulet. Ça fait rien, je pense pas toujours, je pense pas mourir. Sauf si je crois de 3 creepers à la suite. Et là par contre, c'est pas méchant, et encore j'ai du poisson sur moi. Donc je ne pense pas. Voilà, alors, je serai bien sorti, donc je pense que pas mal de quoi ici. Allez, on va faire ça. Allez, hop, c'est parti. Donc moi ce que je fais, c'est que je ferme la derrière. À chaque fois je suis pas touché. Et je me suis imposé la règle de ne pas cheater en solo. De toute façon, même si je cheatais, j'enverrai tout de suite la ressource que je viens de cheater dans trash. Qui veut dire la supprimer. Donc j'espère ne pas me foirer avec l'obsidien. Donc en fait je pensais sauter la séance de minage de obsidian, mais en fait non, pas besoin. 1, 2, 3. Je vais même pas avoir besoin de passer. Ah non, ça c'est pas bon ça. Bon, je vais reposer. Voilà, donc ce bloc-là viendra là et ce sera fini. Donc j'ai fait une brique. Voici comment on fait la porte du Nether version économique. Donc voilà, comme ceci. Donc évidemment, hein, donc là, il n'y a pas de bloc. Donc ici non plus, tout simplement. Et donc ici, il y a deux blocs. Voilà. Donc deux blocs, trois blocs et trois blocs ici. Voilà, ou alors la version non économique, c'est simplement 4 blocs sur 5 blocs sur 4 blocs sur 5 blocs. Voilà. Donc en fait vous verrez les coins, hein, sur chaque document. Donc je vais me débarrasser de tout ce dont je n'ai pas besoin. J'appuie sur CTRL pour que je puisse pas faire. Parce que je compte quand même m'installer là-bas. Oui, je compte m'installer dans Nether. Ça, c'est dit. Donc la boussole purement inutile dans Nether, parce que dans Nether, elle va s'affoler, elle va tourner dans tous les sens. Ça, surtout pas. Ça, inutile. Ouais,
Une épée un peu plus solide m'aura bien aidé, mais je n'ai aucune flèche. Mais je connais une technique avec ceci. Et une épée. Mais je préférerais éviter les guests. Alors, je ne prends pas le seau d'eau, étant donné que les seaux d'eau sont... si vous essayez de poser un seau d'eau dans le nether, la source disparaît instantanément. Et nous sommes partis. Voilà, donc vous entendez à la porte du nether, fait du bruit. Je me mets en plein milieu. Et je vais voir où est-ce que j'attends. Voilà, alors je vais vous enseigner les différents les différentes ressources que l'on peut exploiter dans le Nether. Je pense qu'on aura très vite fait de faire le tour tout de même. Me voici donc dans le Nether. Et j'ai oublié le principal. Bon, ah bah. Donc j'arrive sur la première ressource que j'ai utilisée. Je n'ai pas encore de guest à proximité. Donc, ceci est de la Soul Sand, de la pierre d'âme. Enfin, du sable d'âme. Donc, je vais en prendre un bloc pour vous expliquer à quoi ça sert dans le monde réel. Pioche. Voilà. Donc, la Netherrack. Donc appelée aussi par certains la Bloodstone, la pierre de sang, est une pierre extrêmement inflammable, enfin très inflammable, qui permet de faire des feux immortels. Voilà, donc vous faites des bûches avec ça. Donc la Soul Sand, la première particularité de la Soul Sand, c'est que quand vous marchez dessus, ça vous ralentit. Là je n'appuie pas du tout sur Sneaker, sur la touche donc comment vas-y t'aidez-moi sur la touche majuscule et donc ça nous aura avance normalement. Donc deux des premières ressources et la troisième ressource que je vous montrerai, donc voilà, donc ce sont les fameuses pierres jaunes que vous voyez là-bas. Ce sont des... alors ça s'appelle de la glowstone et certains disent lightstone. Alors voilà, donc en plus j'ai de la lave en train de se générer. Voilà. J'espère que Sika ne va pas toucher ma porte. Ah voilà, donc on a... J'ai oublié, donc c'est de la cobblestone. La soul sand. Je me l'ai mis... J'ai coupé le son. Excusez-moi. J'ai entendu un ghast. Alors, la Soul Sand, donc, se mine plus vite à l'épée. Vous êtes prévenu. Souvent, il y en a qui disent, ouais, comment ça se mine, on ne peut pas creuser, qu'on la creuse ou qu'on la mine, ça prend du temps. Et bien, c'est simple, ça se creuse à l'épée. Pour aller plus vite. Voilà, mais vous usez votre épée. Donc,